Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour une petite vidéo bonus de ce dimanche matin. Nouvelle petite vidéo bonus, vous l'avez vu, c'est un quiz, c'est un Mangamoji, un quiz qui a été créé par l'ami Authentique Manga et justement on va se regarder ensemble sa vidéo Mangamoji et y jouer ensemble comme ça dans les conditions du direct en vidéo. Je trouvais ça cool, c'est une petite vidéo pas prise de tête à faire et plutôt amusante, donc c'est parti, on y va ensemble, voyons ce que nous réserve l'ami Authentique. Allez c'est parti, on va lancer sa vidéo et on va jouer le jeu tout simplement. Quelle était la signification de ces trois signes que je fais en fin de vidéo? C'est vrai que je l'avais expliqué il y a quelques mois, mais on était deux fois moins nombreux sur la chaîne. Tout simplement, n'oubliez pas de liker, n'oubliez bien pas sûr de commenter. Ça, c'est vous et ça, c'est moi qui vous répond. Important. Je réponds quasiment. Allez-y. D'ailleurs, je refais sa pub au passage. Allez vous abonner, enfin, car c'est très qualitatif, bien évidemment. De vous abonner, de partager l'ensemble comme de la communauté. Aujourd'hui, c'est spécial Mangamoji générique. Hop, on va passer un petit peu et on va passer sur les règles du Mangamoji tout simplement. Spécial jeu, spécial Mangamoji. Le Mangamoji c'est un jeu qui est présent sur le Discord et qui est présent le mardi midi pendant les Manga Vorace. Le Mangamoji c'est quoi? C'est ça. Des emojis qui apparaissent à l'écran, le but du jeu étant de trouver un manga. Là c'est très facile d'autant que je l'avais déjà mis. Un gorille, un rouquin et un ballon de basket. Vous le mettez à la chimiste! Pas de problème. Non. Des mangas emojis comme ça, je vous en ai préparé à peu près une quinzaine. Alors, je vous invite. Oui. Peut-être. Invite-nous. À prendre un crayon et une feuille, pourquoi oui. pas, pour pouvoir les écrire. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mieux fait, regarde. Moi, dans la description, je vous ai préparé un modèle. J'ai fait un doc. Vous copiez-coller et vous pouvez le mettre en commentaire. J'ai fait un moi, doc. Dans les commentaires ensuite, j'irai on est prêt. Réponses et je vous on est prêt. Les on réponses au Mangamoji seront présentes dans le générique allez. En fin hop. De vidéo et seulement en fin de vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de tout revenir d'un coup. Vous pouvez patienter si jamais vous avez fait des erreurs. On ira après. Sur la vidéo, la regarder une deuxième fois. On se fait un one shot, bien évidemment. On ne triche pas. Et on y jouera avec plaisir, bien évidemment. On fait le rouge. Vous avez également Mascas qui s'est caché dans le décor. Moi, je sais où il est. Je l'ai vu. Je l'ai vu, Mascas. Est-ce que vous. Ah, bah non, vous n'allez pas le voir. Je suis dessus. Moi, ce qui va se passer, c'est que je vais lancer. Il est où, Mascas? Il est où, Mascas? Je vais boutiquer, lire un manga, un truc comme ça. Il est là, Mascas. Prendre mon café. Il est là, Mascas. Je vous laisse 2-3 minutes le temps de jouer. J'ai gagné quoi? Je vous donne rendez-vous tout de suite. Bonne hop. Chance. Tac. Allez, c'est parti. Nous, on est prêts. On y va. Le number one. Waouh. Attends. Quoi? Attends. Quoi? J'ai pas compris. Attends, je l'ai pas du tout. Ah si. La planète, la fusée, le dragon, les muscles, la baston. Je dirais Dragon Ball. On met Dragon Ball, mais ça englobe Dragon Ball. Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je pense c'est ça. Non? Dragon Ball, Dragon Ball Z. Je sais pas, on verra. On verra si j'ai bon, on verra. On verra. Oh. Ah si, je l'ai, ah lui je l'ai, ça c'est Grand Blue, on est d'accord, bon ça c'est sûr c'est Grand Blue, merde c'est pas le bon truc, allez, on se prépare pour le 3, ça c'est Grand Blue c'est sûr, ah pff, alors là, Belgique. Non, Allemagne. Un blond, un hôpital Allemagne, Japon. Je dirais Monster. Le blond. Je dirais Monster. Monster. Autant c'est absolument pas ça. Mais je dirais Monster.
J'espère que je vais pas trouver une brêle pour le coup, on va voir. Attends, quoi? Montagne, singe mort et viande. Monkey Pix? Je dirais Monkey Pix, peut-être? Ça me dit rien de plus. Ça me dit rien de plus. Je dirais Monkey Pix, je pense. Monkey Pix, je pense que c'est ça. Franchement, essayez de jouer aussi en commentaire pour voir si je suis si nul que ça ou pas. Je dirais Monkey Pix. Otakuland, bien évidemment. Bah, quintessentiel, quintuplette. Quintessentiel, quintuplette. Il y a 5 nanas. Il a pas mis des rookies exprès. Moi je dis c'est quinté sans. Comment ça s'écrit cette merde? C'est ça non? Je sais plus. Enfin les quintuplettes quoi. Hein? Je sais plus comment il s'écrit ce manga. Je l'ai pas lu et je suis loin d'être un grand romantique donc ça m'intéresse pas. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Après. Quoi? Attends, quoi? Un panda? Moi, le panda, je dis Jujutsu Kaisen, Ouah, mais c'est pas... Ça, non, c'est juste pour le panda. Ça, ou alors, peut-être Panda Detective Agency, que je ne connais absolument pas. Parce que les points, ça peut être le Blozzle de Jujutsu Kaisen, la goutte d'eau, je vois pas. Il y aura une tête de démon encore, j'aurais dit Jujutsu, mais là, avec un panda. Allez, on va dire Panda Detective Agency. Vraiment, au pur hasard, parce que je l'ai absolument pas lu. Je sais pas si Authentic l'a lu. Donc, au pur hasard, je sais absolument pas. Je sais absolument pas. De la viande, la tour Toto, un café, un mec masqué, Tokyo Ghoul. J'étais en mode, attends mais, c'est ultra facile là, Tokyo Ghoul, le café. Ah. Hein? Wow, attends, quoi? Du bambou, des épées, un trophée, une blonde, une école? Bon, parce que pour moi, c'est une école. Hein? Ah! Bamboo Blade! Bambou, épée, Bamboo Blade! Non, c'est pas... Autant je passe pour un énorme con... mais on s'en fout, c'est le but de s'amuser un petit peu. Bamboo Blade. Je sais pas. Ah, Blue Giant. C'est sûr, c'est Blue... Oui, Blue Giant. C'est clairement Blue Giant. C'est clairement Blue Giant, en plus qu'il en a parlé il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne de Ed Le Fou. Allez vous abonner aussi à la chaîne de Ed Le Fou. Je l'ai présenté en plus il n'y a pas très très longtemps. Wow. Oh, Terraform Mars avec les insectes de la planète. Moi je dis Terraform Mars. Peut-être que je me gourre, hein. Moi, je pense à Terraform Mars. Une école. Ah, Gambling School. Ouais, oui. Gambling School, sûr. Ah, putain, pour l'instant, je crois que je suis pas mauvais. Ah, bordel, ça fait plaisir. Bon, après, c'est simple. Enfin, je trouve ça... Gambling School, je connais pas, mais je sais de quoi ça parle. Mais je n'ai ni lu, ni vu, parce que ça m'intéresse pas. Mais d'accord. Un panda. Le Japon, une Beno. Bathroom Brother. Comment ça s'écrit? Frère de baignoire.
Je sais pas comment ça s'écrit cette connerie. Mais c'est hilarant. Sûr, c'est ça. Sûr, c'est ça. Sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Bathroom Brother. Du feu. De la bidoche. Des muscles. Ah. Ça peut être Fire Punch. Ça peut être Fire Punch. Ça peut être Fire Punch. Possiblement, c'est. J'aime bien ce genre de jeu. En vrai, si authentique, tu regardes cette vidéo et je pense que tu la regarderas, tu en fais. Je refais d'autres vidéos sur ça. Je m'amuse comme un fou. Je m'amuse comme un fou. Je suis comme un gosse le jour de Noël. Ah, mais oui. Le gyoza, le croco, Doro et Doro. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Doro et Doro, bien sûr. Doro et Doro. Ah, le petit vinyle de Cobra qui fait plaisir. Allez, le dernier. Le dernier. Comète, planète, montagne. Hein ? Là, j'ai pas. Là, j'ai clairement pas du tout. Parce que la comète, j'aurais dit... comment ça s'appelle pas Silent Voice, mais l'autre. Mais là, j'ai pas du tout. Alors là, celui-là, je l'ai vraiment pas. Montagne, cocotier, comète, planète et médecin. Ou scientifique. J'ai pas. Là, clairement, je sèche totalement. Je sèche totalement, donc je mets rien. Je mets rien, je mets rien, je sèche totalement, j'assume. Je regarde là, mais vous êtes là, en fait. Je sèche totalement. On va voir. C'est bon que c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Alors vite fait comme ça, j'avais commencé à feuilleter un petit peu les carnets de l'apothicaire. Je n'ai toujours pas lu ce tome 1. Et là, j'étais très très curieux de regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Ça a l'air vraiment alors, bien dessiné, très frais. Et comme j'ai particulièrement... Tu m'en veux pas authentique, on va directement aller aux réponses. Je vous invite à regarder la vidéo dans tous les cas et à regarder ces autres vidéos. Je vous encourage même à y aller, hein, bien évidemment. Et on va regarder les réponses, voir si je suis... pas trop nul, on va voir. Ah, et comme d'habitude, je vous dis... Venga ! Alors... Ok, attention, elles sont là. Les réponses sont juste là. Dragon Ball, c'est bon. Grand Blue, c'est bon. Monkey Pick, c'est bon. Ah ! Carte essentielle, 15 suplesses. Quoi ? Ranman... Mais oui ! Mais putain ! Mais putain ! Mais bordel ! Mais bordel ! C'était Ranma 1/2 ! C'était Ranma 1/2 ! C'était Ranma 1/2 ! Mais oui ! Mais putain, mais tellement ! Mais tellement, bordel de cul ! Mais non ! Alors, Tokyo Ghoul, j'ai eu bon. Bamboo Blade, j'ai eu bon, bordel. Ah, les vieux de la vieille ont raison, bordel. Blue Giant, ok. Terraform Mars, c'est bon. Gambling School, c'est bon. Batrous Brother, c'est bon. Ok. Fire Punch, Doro et Doro, c'est bon. Le dernier, c'était Dr. Stone. J'y étais tellement pas. J'y étais tellement pas. Le dernier, c'était Dr. Stone. Mais j'y étais pas. Mais j'y étais pas. Eh, j'ai fait 2 erreurs sur 15. Ah, je suis fier de moi. Hop, on repasse comme ça. C'est pas du tout le bon. C'est pas le bon. C'est pas... Voilà, là, c'est le bon. Je suis fier de moi. Ah, bordel, j'avais pas tout faux. J'ai fait 2 erreurs. 2 erreurs. J'ai trouvé, bordel, Bamboo Blade. J'ai trouvé Monkey Pix. Monster, hein, ça va, c'était simple. Il y avait quoi d'autre qui était un peu galère? Non, en vrai, ça va, c'était simple. Bathroom Brothers, si ceux qui n'ont pas connu et qui n'ont pas les références, ça va. Après, il y a beaucoup de références qui sont sur sa chaîne, et comme je suis toutes ses vidéos, du coup, il y a des trucs que je connais. Mais Dr. Stone, là, tu m'as fait poète poète. Là, j'y étais totalement pas. Incroyable. Et bah, franchement, authentique, parce que tu regarderas sûrement la vidéo,
Je me suis amusé comme un petit fou sur ce petit quiz. Super bonne idée que j'ai eue de me dire, bah fais-en une vidéo, ça te fera une vidéo bonus pour la chaîne et en plus c'est cool, tu fais la pub d'un copain. Bah j'ai bien fait. Et si t'en refais d'autres, bah je referai aussi des vidéos. Écoute, on s'amuse. Moi je me suis amusé. Est-ce que vous, vous vous êtes amusé? Dites-le en commentaire si vous êtes amusé autant que moi pendant cette vidéo. Parce que, franchement, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. C'est beaucoup trop bien. En plus, quasi que des mangas que j'aime bien. Deux erreurs, ça va, j'ai pas trouvé Ranma. J'ai vraiment pas trouvé Ranma. Bon bah, c'est des choses qui arrivent. Le panda m'a même pas sauté aux yeux. Le panda, je. Même pas. Alors que j'adore Ranma Nuit. C'est la honte. La honte est sur moi. Clairement. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous êtes autant amusé. Il y a la chaîne du copain authentique qui est en description et en commentaire épinglé. Allez vous abonner, allez lui donner de la force. Je compte encore une fois sur vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, on en refera d'autres comme d'habitude. Vous avez l'espace commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je compte sur vous parce que c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vous, grâce à ce que vous pensez de la chaîne, que j'évolue et que je transforme la chaîne vers quelque chose de meilleur, parce que c'est le but, tout simplement. En tout cas, je vous dis à demain matin, 7h, pour le Manga Café News, comme d'habitude. Et surtout, passez un bon dimanche, une bonne soirée et prenez soin de vous, c'est important. C'était Méric, boujou, à les internautes.